Allez, je suis avec deux néo-pros ici à Carcassonne, avec Mathieu Payares, pardon, et Flavien Vuagna. Donc d'abord, ben, bonjour tous les deux, puis peut-être que vous allez vous présenter parce que les supporters de l'USC vous connaissent assez mal. Oui, bon, bonjour à vous. Donc, je m'appelle Payares Mathieu. Je viens de Perpignan. J'ai intégré le centre de formation de Carcassonne l'an dernier. Voilà, je laisse ma parole à Flavien. Bonjour, je m'appelle Flavien Vuagna, je viens de Thuir. En Fédéral 2, j'ai intégré le centre de formation l'année dernière. Et cette année, mon premier contrat. Bon. Alors, on va peut-être connaître vos postes respectifs, s'il vous plaît. Alors, je joue trois quarts centre de premier poste. Et après, je peux dépanner aussi hein, à l'aile. Moi, mon poste, c'est troisième ligne. Alors justement, vous venez de signer tous les deux votre premier contrat pro, forcément, une émotion à la signature de ce contrat. Ben, oui, forcément, un petit peu de fierté, mais après, comme je le disais précédemment, le plus dur reste à faire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a signé un contrat pro cette année qu'on va l'être pour toute notre vie. Là, on aura peut-être 10-15 minutes à se mettre sous la dent quand il y aura des blessures. Donc, à nous de pouvoir faire confiance et donner la confiance aux entraîneurs. Justement, en parlant de pouvoir jouer, il va y avoir une sacrée concurrence, notamment je pense à la troisième ligne, Fabien. Il va falloir se bouger pour essayer de surpasser Ovidio Tonita, Joël Coffi ou Manu Etienne. Ah oui, enfin, moi, pour ma part, il faudrait que je bosse encore plus dur que Ovidio Tonita, Joël Coffi, Manu Etienne, même Vincent Maria. Ça va être dur, mais je vais bosser. Justement, tu les côtoies un petit peu maintenant depuis plus de mois avec les entraînements communs. Donc, qu'est-ce que ça apporte de côtoyer des joueurs d'un tel calibre? Ça fait toujours plaisir. Après, moi, c'est la première année que enfin, moi, je réalise pas encore. Je sais pas, je réalise pas encore. Alors justement, Mathieu, on parlait aussi de la concurrence au centre parce qu'il y a quand même de sacrés joueurs, non? Ben, je vais les nommer. Il y a Pierre Aguillon, Lepanyi Waka, Ayula Irinlé, Seb Morel. Et j'arrive un peu en dernier. Donc, à moi aussi de prouver aux entraîneurs que j'ai aussi ma place. Après, c'est vraiment. Je considère cette concurrence plus comme une aide qu'autre chose, parce il y a beaucoup d'expérience et j'ai tout à gagner à puiser cette expérience de ces joueurs. Écoutez, tous les deux, on va vous souhaiter une excellente saison, puis j'espère vous avoir pour des réactions après des matchs de Pro D2 au cours de la saison. Merci. Nous aussi, merci.